Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Et voilà. Notre petite vue du matin. Ça c'est vu de dehors. Avec la piscine, tout ça. Je trouve ça juste magnifique en fait. C'est trop trop beau. On a même un espèce de petit jardin là. Ici. C'est trop beau. Je descends pour explorer en fait. Et on a un petit jardin comme ça. Regardez. Là c'est en bas. C'est magnifique. Et ici, où on peut voir la piscine et tout. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Bon, je vais terminer mon sport. J'ai fait 15 minutes de cardio. Et du coup, là, je vais continuer avec un petit peu de muscu, enfin, poids au corps, parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de choses. Et ça va être sympa. Ça va être plutôt cool. Au bord de la piscine, là, comme ça. Un petit peu de sport. Ça fait pas de mal. Allez, c'est parti. Chez la famille. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Daddy's Frenchy Dreams. Hello. She's the queen of the day. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir pris une ride de plus? Rien. Rien. Vous êtes contente d'être avec nous dans ce cadre magnifique? Pump it up. Ouais. Donc comme vous voyez, c'est la bonne humeur. Là, on est en train de se faire un petit déjeuner au max de la Maxence. On fait des pancakes. Enfin, elle nous fait des parfaits pancakes à la banane. Donc voilà, c'est très healthy, c'est protéiné. C'est... Franchement, testez la recette, elle est super bonne. Je vais vous montrer notre petite villa qu'on a louée pour l'occasion. Parce qu'en fait, pour vous expliquer la petite histoire... Attendez, je vais montrer ma gueule. Parce qu'en fait, pour vous expliquer la petite histoire, enfin, je ressemble à R. Danis est née aujourd'hui. Moi, je suis née demain. Et il y a 9 jours est née Salimata. Donc, ça fait 12, 21, 22. Donc, le trio, la brochette. Donc, on s'est dit pour fêter ça, on va aller en Espagne, on va s'enjailler, on va se reposer et on va fêter nos anniversaires. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a prévu concrètement. Déjà de bien manger, de faire plongette. Après on va aller faire du kayak. C'est ça, hein, du kayak et du segway. Et la journée s'annonce plutôt cool en fait. Donc j'adore. Il faudra qu'on trouve aussi une boulangerie pour acheter un gâteau pour notre chère et tendre quand même, qu'elle souffle les bougies, hein. Voilà, donc un séjour entre girls, pepperoni, chillance. Donc she's the queen of the day. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Sally, un petit mot à dire? Salut tout le monde. Je suis fatiguée, voilà. Voilà, vous avez entendu le petit mot de Sally, la star. Voilà, elle est fatiguée, mais au moins vous a dit bonjour. Voilà, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qui peut venir? Donc voilà. We fell in love in a hopeless place. Grave. Hello. Les filles sont réveillées. Ça fait bien longtemps. Et là on est en train de faire le petit déj. Je vous en saurai plus après. Et pour aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu le... On a fait des pancakes, on fait griller du pain, du bacon, on a des fruits, on a des pains au chocolat, enfin bref.
On va se péter le bide. Yep. Et après, direction la swimming pool. Après, on va manger dehors. On a fini. Nous partons. On a un mode backpacker. Yes. On va faire des activités. Nautique. Nautique. Ça va être trop cool. On n'a pas montré notre belle voiture. On est sur le bord de mer. Il y a plein de petits restos sympathiques. Elle a mis les flashs. Avec les girls. Toujours la même team. On ne change pas une équipe de gagner. Exactement. C'est canon. Allez, tu verras sur place. Donc là, c'est tour de jet ski. Donc, tu vas faire ça. Non mais elle est malade, c'est tout. Ah ouais, je perds ma perruque, c'est sûr, t'en trouves même pas. Voilà. Donc là, on va aller toucher l'eau pour voir un peu la température. Ça va plonger dedans. Mais en fait, on a pris une location, enfin du snorkeling. Ouais. Et donc, on va vous vlogger tout ça parce que j'ai pris la GoPro. Et en fait, on va aller tout au fond là-bas dans les caves et tout. Et ça va être super joli, super sympa. Une petite balade en bateau. Ouais, petite balade en bateau et tout, ça va être cool. Donc forcément, on va vlogger. Et puis là, c'est parti. On est les seuls blackos. C'est apaisant. Grave, juste le bruit là. Grave. Ok, bah tu me tiens au courant, d'accord? Jusqu'à minuit, je vais t'harceler, d'accord? Dès qu'elle sort du monito, tu lui dis de m'appeler, d'accord? Je veux savoir comment ça se passe. C'est là vraiment. Ouais, t'es vraiment une diva. T'es vraiment une diva, c'est abusé. Ah ok, super. Bah ok, tu me la passes comme ça. Mais grave. Ça, tu vas te parler, d'accord? Venez mes amis. Ok, à tout à l'heure, tu me tiens au courant. Ah ouais, ça va. Il y a quelques vidéos. Mettez vos snaps. Je suis en train de vous filmer hein. Hein? Je suis en train de vous filmer hein. Je suis la reine des Alpes. Celle-là, c'est vraiment une diva. Mais oui! Alors, il est 13h, donc pas longtemps. Je pense qu'on ne nous entend pas. Et on va pas tarder à y aller. On va aller faire du snorkeling. Ah, mais il y a le bateau. Ouais, bah c'est celui-là. Parce qu'il est 50. Le bateau, il arrive. Là, il y a Mimi qui fait bronzette, bronzouille. Notre ouais. Mini du jour. Elle est en mode mini. Et donc, du coup, là. On va aller au bateau. Allez, c'est parti. On est à bord du bateau. Et on va partir.
le Pacha. Grotte. Donc là c'est parti, on va se déshabiller à deux. Vous êtes ready les girls? Ouais. Vous avez vu comment elles sont chaudes là? Là où il y a le panneau de toute chaude, c'est-à-dire on a pied, c'est ça? Non, c'est l'amarrage. On est posé à un petit restaurant. Nous reprenons nos esprits. Hop. Et on est au restaurant Pepa. Voilà, c'est une brasserie qui fait pizzeria, etc. Hyper jolie. On est revenu à la baraque et là on va faire une machine vite fait avec nos linges et ensuite direction la piscine. On va aller à la piscine, mode GoPro activé, on va aller faire des petits plans sous l'eau et tout. Ça va être plutôt sympathique et voilà, on va essayer de faire des petites photos Instagram, tout ça. Et ça va être sympathique, surtout qu'il fait archi beau, regardez. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Donc voilà, faut qu'on profite de cette piscine là, de ce cadre à fond, parce qu'on l'a payé, n'empêche. Donc voilà, ça va être plutôt cool. Et puis, ben, c'est parti, on va se baigner. Mimi, elle est en mode installation de... Installation des transats. Je vais faire le test micro de l'eau pour vous, en live and direct. Oh, elle est bonne. Bonne, un peu gelée, mais bonne. Tac, et voilà. Quand Mimi va être dans l'eau, je vais aller la filmer. Elle est où? Est-ce que même les pieds, si je peux appeler, c'est pas là. Franchement, chez là, elle est un peu profonde. Non? J'irai 1m60, 1m80. Mimi est en train d'apprendre à nager. Les sirènes. Hello tout le monde. We are back. Woohoo. Donc là, on va manger une glace. Il est 00h30, tout va bien dans notre vie. On va à un glacier qui est à pas loin de Ravea. On a pris grave du temps à se décider, à trouver une place, etc., etc. Mais on est garé. Donc c'est ce qu'on fait là. On... Là, j'ai peur parce que genre... On y va, on marche. Je vais faire mieux si c'est mieux, la pression va être sur le dos. Ah bah, ce sera à cause de toi, ma fille. C'est ça qui nous a emmené dans ce bourbier.
Elle a insisté en plus, hein. C'est posé un petit glacier là. Alors, coucou. Ça filme pas ? Bon anniversaire, Sheila. Il est minuit. Merci. Donc, on a pris des petites glaces. Hein. Alors, voilà, moi, c'est plus fraise. Alors, moi, de chez les petits, on a trouvé un petit glacier sympa. Mais on est dans un quartier où apparemment j'ai les gens de noir. Ouais, ils sont en train de nous déménager. Genre, moi, ça, de moi, j'ai vu l'heure Al-Qaïda. Ouais, c'est plus, ça, avec la veste militaire, attaque terroriste là, c'est bon. Non, franchement, c'est chiant. On peut pas profiter de la terrasse tranquillement parce qu'on se fait regarder comme des sauvages. C'est incroyable quand même. En tout cas, on est dans un quartier jeune. Ouais, il y a que des jeunes. Il y aura, ils s'attisent ici. Hein. Ouais. Elles sont sapées comme Jaja. Avec des jupes de 2 cm. Et encore, je suis gentille. Je pense d'avoir une vue dans le sont comme on dirait à la fouf. Et ce que je voulais dire, c'est que à Rapéal, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour que les jeunes puissent s'amuser. Tu vois. C'est vraiment un endroit huppé pour les gens vraiment matures et tout. Mais il y a des trucs de ouf à faire. Les paysages sont magnifiques.